Les amis, faisons le point sur la situation de Warren Zaïre-Emery avant le match du Paris Saint-Germain face à Strasbourg ce samedi, à suivre dès 19h30 sur FreeFoot. Eh bien, j'aimerais avoir votre avis sur la situation du milieu parisien. Regardez Éclairage avec en appui ce papier d'Anthony Clément paru mercredi dans les colonnes de l'Équipe sur le milieu en mutation de l'équipe de France. Les matchs face à Israël et la Belgique ont mis en relief le renouvellement, la réoxygénation, le changement dirigé au milieu par Didier Deschamps autour de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Alors, où est Warren Zaïre-Emery dans ce chantier? Eh bien, c'est difficile à dire aujourd'hui. Le retour de Matteo Guendouzi et l'opportunité offerte au Romain Manu Koné pourrait déclasser, entre guillemets, le Parisien. Arnaud Clément d'écrire, après avoir seulement disputé le temps additionnel jeudi, face à la Belgique, Warren Zaïre-Emery est dans une position inconfortable et il a retrouvé la frustration de l'Euro passé sur le banc. Sa période en bleu est difficile, le Parisien pourrait donc être victime du retour de Rabiot. Vous l'aurez compris, Didier Deschamps a le choix, les amis, avec donc Guendouzi, Rabiot, Koné, mais également Fofana, Olise, Tchouaméni, Kamavinga, sans oublier le retour prochain d'N'Golo Kanté. Et attention à la montée en puissance avec les espoirs du jeune Enzo Millo. La concurrence est donc forte pour Warren Zaïre-Emery, mais deux éléments clés à rappeler. Le premier, il a pour le moment la confiance de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Regardez, troisième temps de jeu, toute compétition confondue, juste derrière Pacho et Hakimi, dans un groupe où là aussi, la concurrence est forte au milieu, avec Neves, Vitinha, Ruiz et Kangin Lee. Et puis, le deuxième élément, Warren Zaïre-Emery, les amis, n'a que 18 ans. Il est le plus jeune au cœur de cette concurrence, que ce soit en bleu ou au Paris Saint-Germain. Alors dites-moi, quel regard portez-vous sur ce temps de passage? On en parlera avec vos avis, avec Ludovic Giuli et Rio Mavuba, ce samedi, en direct sur la pelouse du Parc des Princes pour ce PSG Strasbourg, je vous le rappelle, dès 19h30, en direct sur la chaîne FreeFoot.